Alors bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Je vous fais une vidéo comme promis avec un tirage avec l'oracle Magicus nouvelle édition noir et blanc. Et je vous fais un petit update parce que j'ai des bonnes nouvelles quand même pour les commandes. Alors j'ai déjà les jeux, il manque les pochons qui vont arriver normalement d'ici une semaine et les livrets qui ne devraient pas tarder. Normalement, ils sont censés être livrés demain, mais avec TNT, je les connais, ça risque de prendre plusieurs jours, voire une semaine. Mais en tout cas, apparemment, on aura tout dans une semaine. Donc voilà, ça sera limite avant Noël, en tout cas, j'espère. Mais en tout cas, évidemment, dès que j'ai un peu plus de nouvelles, je vous tiens au courant. Mais tout est parti, tout est en cours. Voilà, maintenant, ça dépend des transporteurs. Donc, allez, on y va. On y va. Les livres aussi, hein. Les livres arrivent en même temps que les livrets. Et on y va. On va faire un petit tirage pour nous avec Magicus. Avec le nouveau Magicus, vous verrez qui répond facilement là, avec les mots-clés. C'est vraiment chouette. Là, on va se faire un petit tirage du moment. Ça vous permet de voir un peu le jeu. Allez. Hop, et je coupe. Ah oui, je ne vous ai pas montré, mais elle se mélange super bien. J'ai la caméra un peu loin. Alors, on va se faire un petit tirage classique à trois cartes. Vous avez plein de tirages dans le livre, plein de tirages expliqués. On va essayer de cadrer. Alors, on n'a pas une super lumière, il pleut. Donc, peut-être ça va encore être un peu flou, les images, on verra. Hein. Voilà, en ce moment il ne fait pas très beau. Allez, on y va. Alors, on a la stratégie, le succès et l'expansion avec Marie Laveau. Vous voyez, elle a vraiment existé, hein. Il n'y a pas que des légendes, il y a aussi des vraies sorcières. Voilà, qui faisaient du vaudou. Alors, ensuite, pareil, Allan Kardec, communication, médiumnité, message. Hop, c'est intéressant. Et la dernière, on a la princesse 10. Émotivité, sensibilité, maîtrise de soi. J'ai pas le livret, mais je vais vous faire la lecture intuitive. Voilà, bon, je les connais, hein, quoi. C'est un peu moi qui les ai écrits. Alors, qu'est-ce qu'on a là? Là, on nous parle de. Alors, je vous fais lecture intuitive, c'est comme ça, c'est intéressant. Là, je vois qu'en fait, on va recevoir une communication, un message. Qui va nous aider en fait à avoir du succès. Ça peut être quelqu'un qui va nous conseiller quelque chose, un nouveau projet, donc du succès, succès, expansion, et peut-être nous donner des clés de stratégie pour mettre en œuvre quelque chose. Alors ça peut être niveau business, hein, mais ça peut être au niveau loisir aussi. Hein. Succès, expansion, on place le succès où on veut. Hein. En tout cas, moi je le vois comme un message qui va nous aider à avoir une expansion. C'est la carte centrale quand même. Et là, qu'est-ce qu'on nous dit? On nous parle de. C'est la princesse 10, une très belle légende bretonne. Alors, on nous parle d'émotivité, sensibilité, maîtrise de soi. C'est une des nouvelles cartes du jeu. Là, donc, ça veut dire maîtriser ses émotions. Là, ce que je vois, c'est peut-être cette nouvelle va un peu nous. On va un peu déborder peut-être émotionnellement ou se laisser entraîner par un hyper enthousiasme. Là, ça nous dit au contraire de garder la tête froide parce que là, on a Marie Laveau, elle avait vraiment voilà, cet aspect stratégie, mettre en place, etc. Donc, ne pas se laisser emporter peut-être par son enthousiasme suite à un message. Peut-être qu'on va nous annoncer une bonne nouvelle. Je sais pas moi, la vente de quelque chose, un nouveau projet, quelque chose, en tout cas je le vois de façon assez positive, qui va, de façon positive, parce qu'on a le succès. Voilà, c'est juste pas se laisser déborder par ses émotions, pour pas faire d'erreur, on va dire. Hein. Voilà, alors petite lecture rapide, vous voyez, on refera un tirage plus complet dès que j'ai les livres. Voilà, comme ça je vous montrerai en même temps les tirages du livre. Qui sont en fait c'est les mêmes que la première édition hein, pour si vous avez déjà le Magicus la première édition c'est le même tirage ce qu'il y a nouveau dans le nouveau livre c'est les nouvelles cartes et les éléments rajoutés sur certaines cartes du nouveau jeu c'est pour ça qu'il est adapté au nouveau jeu voilà bon j'espère que ça vous a plu et dites-moi en commentaire si ça vous parle ce tirage si le jeu vous plaît et je vous dis à bientôt.